S'affronter en duel, avoir l'esprit de compétition, est-ce réservé aux hommes ? Pas toujours. Au milieu du XXe siècle, dans les années 50-60, c'est devenu une affaire de femmes. Deux femmes, un même prénom, Jacqueline. Une même passion, l'aviation. Une même détermination, être la femme la plus rapide du monde. Jackie contre Jackie. Ou l'histoire d'une course effrénée au record de vitesse entre Jacqueline Cochrane, l'américaine, et Jacqueline Auriol, la française, dans l'immédiate après-guerre. Un enjeu majeur, le prestige respectif des ailes de leur pays. Voici deux femmes au métier d'homme s'affrontant dans un duel extraordinaire de 15 ans, mené à la vitesse du son et à coups de gros réacteurs des deux côtés de l'Atlantique. Jacqueline Auriol, la belle-fille du président de la République française, n'a de cesse d'en découdre avec l'impressionnante Jacqueline Cochrane, la première femme à avoir pris les commandes d'un bombardier, à avoir créé le premier corps féminin de l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la première femme à avoir franchi le mur du son. Dotée d'une volonté et d'une détermination exceptionnelles, Jacqueline Cochrane est décidée à être la femme la plus rapide du monde. Mais Jacqueline Auriol, gracieuse et élégante challenger, est tout aussi résolue à lui ravir le titre. Elle est la première femme pilote d'essai et se révèle terriblement éprise de vitesse, au point de ne pouvoir résister à relever ce défi.